Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, pour celles et ceux qui souhaitent se former à la numérologie pour soi-même ou dans un but de professionnalisation, n'hésitez pas à me contacter au www.numérologueconseil.com pour en discuter. Les lettres s'étudient et s'interprètent au niveau de leur signification fondamentale en tant que lettre et en relation avec le nombre qu'elles représentent, mais aussi au niveau de leur graphisme qui est très révélateur de l'énergie qu'elles transmettent. La lettre K est une lettre intuitive et créatrice à valeur 11 ou 2. Son graphisme bien particulier nous montre une lettre bien campée sur ses bases, tout en arête. Tout en pointe est faite uniquement de lignes. L'équilibre entre le plan matériel et cérébral ou spirituel ne fait aucun doute, l'assise est solide. Elle suggère une position défensive mais aussi prête pour l'attaque. Il s'en dégage de la force mais aussi une certaine agressivité. Attention, ça pique. La base des deux lignes du bas, au niveau du plan matériel, fait penser à une position du karaté. Notons au passage la lettre K du mot karaté. Cette position du karaté s'appelle Kokutsu Dashi. Le mot Kokutsu commençant aussi par la lettre K. En effet, les deux barres obliques basse et haute à droite forment une sorte d'étayage plutôt solide qui s'appuie sur la barre ou ligne verticale de gauche. Elles se rejoignent au niveau du plan émotionnel affectif qui fait office de conjonction entre les deux autres plans. Le haut des deux lignes indique une réceptivité importante qui développe une intuition non moins importante et inspirée. Cette lettre oscille entre hypersensibilité et autorité, l'équilibre étant difficile parfois à trouver dans la plupart des cas. D'autre part, son graphisme suggère une connexion qui part de l'affectif vers l'esprit, représentée par la barre oblique supérieure et secondairement par cette même barre supérieure à laquelle est rattachée la barre oblique inférieure, une connexion qui va donc vers le matériel. Cette lettre indique une grande sensibilité, beaucoup de force. Ce mélange provoque une dualité importante qui déséquilibre la dynamique de réalisation, car la lettre K est à la fois sur ses gardes, mais aussi avec une tendance à l'impulsivité, voire à la colère. Un important potentiel l'anime, assujetti trop souvent aux émotions et aux tensions nerveuses récurrentes. La lettre K est évidemment associée au maître nombre 11 et par connexion au nombre 2.